fair trade presentation here, Angora Initiatives. These are the presentations here at the World Social Forum Montreal 2016. It's part two of the presentations. There's 22 in all. Je parlais en français, voilà, j'essaierai de parler doucement pour que les personnes qui traduisent puissent le faire. Donc, le mouvement de commerce équitable est conscient aujourd'hui des enjeux nouveaux auxquels il doit faire face. La nécessité de se re-questionner sur sa charte internationale et ses différentes évolutions stratégiques pour les élargir et les adapter aux enjeux d'un monde en perpétuel changement. La nécessité de s'ouvrir au sud comme au Nord, sur de nouvelles dynamiques. Suite à cela, deux actions sont ressorties. Premièrement, la révision de la Charte internationale du commerce équitable. Donc ce processus est en cours. Il est porté par la World Fair Trade Organization, Organisation mondiale de commerce équitable. Un agenda a été proposé. En automne 2016, première phase de consultation des acteurs du mouvement équitable. En avril 2016, présentation d'une structure de la charte. Au printemps 2017, seconde phase de processus de consultation. En automne 2017, validation de la charte lors de l'Assemblée générale de la World Fair Trade Organization en Inde. La seconde action, la volonté de créer un forum mondial thématique mouvement équitable. Processus en cours de construction et de réflexion porté actuellement par des individus de la société civile soutenant le commerce équitable. La volonté est d'ouvrir le mouvement équitable au sud et au nord sur les dynamiques comme les droits humains, l'économie sociale et solidaire, la souveraineté alimentaire, l'agriculture paysanne, les enjeux climatiques, l'éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale. Voilà les réflexions que nous avons eues. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à pouvoir en discuter et pourquoi pas échanger sur ces sujets, à me rejoindre. Je serai à la tente Écosphère sous le village équitable. Voilà, je vous remercie. Thank you. So, please go to the initiative kiosk once you're finished. S'il te plaît, va au kiosque. L'initiative, Julie, par ta gauche, au kiosque. Merci. Bon. Pour la prochaine, for the next one, it will be extractivism. Comment on dit libre-échange en anglais? Free trade, yes. Extractivism, free trade and power of multinationals. Extractivisme, libre-échange et pouvoir des multinationales. Merci. Bonjour, je sais qu'on est fatigué, mais d'abord, j'ai envie de dire et de reconnaître qu'on est sur un territoire autochtone Mohawk non cédé. Ensuite, j'ai envie aussi de dire, prendre un petit instant pour dire qu'on est ici pour célébrer les luttes qu'on a partagées pendant toute la semaine, célébrer toutes les initiatives et leur diversité, célébrer aussi tous les partages, toute l'inspiration qu'on a eue cette semaine. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'applaudir ensemble pour toutes ces échanges. Alors, nous, au comité extractivisme, libre-échange et pouvoir corporatif, on a un slogan. C'est le suivant, donc je vous invite à le reprendre. Les peuples et la planète avant le profit. Les peuples et la planète avant le profit. Les peuples et la planète avant le profit. Pourquoi on a décidé au comité de lier ces trois thèmes? C'est parce qu'on juge que c'est des piliers essentiels du capitalisme puis de son idéologie néolibérale. Il sera impossible d'avoir une action antisystémique sans adresser ces trois piliers à la fois et sans faire converger les luttes qui sont nombreuses autour de ces trois enjeux. Donc voilà, le premier constat qu'on a eu. Le premier constat qu'on a eu dans l'Assemblée, c'est vraiment que les gens luttent. Les gens luttent à travers, sur tous les continents,
dans toute une panoplie de pays, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, ici, en Europe, les gens luttent contre le libre-échange, contre l'extractivisme, contre le pouvoir corporatif. Puis on a jugé aussi, il y a eu un consensus pour dire qu'on était prêt à lancer un... Il y a eu un consensus pour dire qu'on était prêt ensemble à lancer un automne de la dissidence autour de ces trois thèmes. À agir ensemble autour de journées d'action, d'un automne d'action, d'un trimestre final à 2016 qui soit antisystémique, qui soit dissident, il faut vraiment faire monter la pression sur le pouvoir corporatif qui a vraiment une influence démesurée, comme on le voit avec Énergie S, sur nos décideurs, puis qui prend de plus en plus de mainmise sur l'économie. Donc, on demande à ce que l'économie soit démocratique, soit au service des peuples et non du profit et non du 1% les plus riches de la société mondiale. Ensuite, on a vu qu'il y avait un assentiment à lier ces trois thèmes puis à faire valoir que chacune de ces luttes-là individuellement sur l'extractivisme, le libre-échange et le pouvoir corporatif, faire valoir qu'il y a d'autres enjeux qui sont liés, donc montrer l'interrelation entre ces trois thèmes-là. Puis déjà, si chacun des groupes qui étaient là fait les liens en revenant par rapport à leur lutte locale et à la fois des luttes internationales, mais aussi en liant ces trois thèmes-là, on pense que c'est déjà un grand gain pour le mouvement qui va contribuer à vulgariser l'interrelation entre ces trois thèmes. Ensuite, il reste une minute. la dernière chose, c'est qu'on a vraiment besoin de se coordonner. On a lancé aussi un appel à ce que, justement, qu'il y ait une solidarité internationale entre luttes, par exemple, à Mariana, au Brésil. Il y a un barrage électrique qui a engendré l'assassinat de plusieurs défenseurs des droits humains. Pourquoi pas faire des campagnes ici en solidarité avec leur journée d'action le 5 novembre, qui vise à commémorer le premier anniversaire de cette tragédie? Pourquoi pas, partager beaucoup mieux l'information, puis bâtir donc une plateforme web qui nous permette vraiment non seulement d'être informés, mais aussi de s'entre-appuyer à travers les continents, entre pays, autour de ces luttes-là. Donc, ce serait un appel aussi, peut-être, au Forum social mondial de voir comment faciliter ce type de partage d'informations et d'interrelations entre les luttes. Je ne sais pas si c'est au Conseil international ou... mais bon, c'est vraiment un besoin, puis on l'a entendu dans d'autres assemblées de convergence. Dire aussi qu'il y a une campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des transnationales. Il y a déjà 200 organisations et réseaux à travers le monde qui en font partie. C'est une campagne auquel vos groupes ou mouvements peuvent participer. Alors nous, on vous dit, ya basta, ça suffit, le système capitaliste, ya basta. Ya basta. L'extractivisme, ya basta. Les changements climatiques, ya basta. Énergie S, ya basta. Merci. Merci beaucoup. Donc, on continue avec la prochaine. Ce sera Média Libre, Transition Numérique et Droit de la Communication. So, Free Media, Digital Transition and Right to Communication. Also, please, when you finish speaking, go there on this table to give your contact or to register your initiatives. S'il vous plaît, quand vous avez terminé de parler, s'il vous plaît, allez à la table ici pour donner vos contacts et remplir vos fiches d'initiative. Annonce ici, est-ce qu'on aurait la personne qui a écrit l'initiative Concertation de la jeunesse dans la salle? Ou Éducation et citoyenneté mondiale? Ou Campagne internationale sur les salaires décents? Une de ces campagnes-là, on a besoin de vous à la table ici. Donc la personne, merci. Oui, bonjour. Donc,
Oui, nous allons présenter la déclaration et les propositions d'action de l'Assemblée de convergence des médias libres, les transitions numériques et les droits à la communication. Donc, et je suis Erika Campello de l'association Ritimo et co-participant du processus du Forum mondial de médias libres. Donc nous, activistes de médias libres, sommes attentifs aux discussions du Forum social mondial sur le futur du processus, la rénovation de la dynamique, l'évolution de son importance pour les luttes sociales. Le Forum mondial de médias libres est né et reste en lien avec le Forum social mondial. Il continue les débats sur les questions culturelles, politiques et technologiques qui concernent les communications de communautés, organisations et mouvements sociaux. Il fait en sorte que ces questions soient appropriées dans un cadre global et lutte connectée entre elles. Les activistes des médias libres ont toujours affirmé dans toutes les éditions du Forum social mondial la nécessité de la création d'un agenda de la communication pour le processus en tant que facteur politique prépondérant pour l'importance de la continuité du processus. Les participants du Forum des médias libres et les participants de l'Assemblée de convergence de la communication sont disponibles pour approfondir ces questions avec, et créer des dialogues avec le Conseil international. Les aspirations libertaires de l'humanité sont confrontées à de nouvelles formes de contrôle et de oppression. Pour maintenir sa pertinence, le processus du FSM a besoin de s'y mettre au centre de ses luttes, spécialement la question des droits numériques et des libertés d'Internet. Je veux lire des affirmations en anglais. Oui, denounce the massive rejection of visa by the Canadian government for the people of the Global South, in particular the Palestinian, African and Latin American activists, some of them coming from the World Free Media Forum. We call for initiatives to change this situation, and we debate the question of BDS criminalization. We propose this the thematic of the BDS and the right of communication to be debated in an activity of the next World Free Media Forum. Because as activists seeking to improve our world, we need to have access to the voice working on the ground, and in particular, the BDS activists against apartheid. I am Rita Freire from Ciranda, from the World Free Media Forum. I'm from Brazil, a country under in French, coup d'etat. Yep, that they are. Hi, my name is Kathy Edwards. I'm the executive director of the Canadian Association of Community Television. I was asked, this statement emanated from the Convergence last night, and I was asked in the circle today to make the list of actions. So these are the actions. The first is that the World Charter on Free Media developed in Tunis last year. There's now a campaign to promote it at several international events in the coming year that you can look at on the website of the Forum for Free Media. It'll be taking place between November and February.
some of these actions are by the Forum for Free Media and others are by other organizations that have attended the Convergence and the Circle today. Number two is another action by the Forum for Free Media. Non, mais tu m'as dit que j'ai 5 minutes. C'est le deuxième 5 minutes. The deuxième is there's the Forum for Free Media is creating a map of free media and corporate media around the world and in such a way that it protects privacy and security of journalists. Number three, there is a proposal and a campaign by the World Social on Free Media, that the World Social Forum use free software in future meetings. Fourth, a work group is going to be established by October 2016 for the protection of journalists from violence. That's by a group called Traversée. Number five, a petition by my organization that a petition to the government of Canada to enable the establishment of citizen-operated media centers and the establishment of an international organization to promote citizen-operated media on all platforms in the digital environment. Endorsed also by the climate, democracy, and lodging convergences. Sixth, the FML, the Forum on Free Media, wants to establish a work group to work on the decolonization of media, such as de-Googleization, as an example of the internet, and with an emphasis on Indigenous rights. That's by the 31st of December 2016. Number seven, Ciranda, which is a Brazilian organization in collaboration with Ritmo from France, is conducting a campaign to denounce corporate media participation in the coup d'etat in Brazil and in defense, in particular, of public media, the EBC. That started already now. Number eight, the second last one, another project of the Forum for on Free Media. These are to do with the internet. They want to do outreach to the Internet Governance Forum and to work with the World Social Forum with the goals of supporting and recognizing free and open data initiatives to support net neutrality, internet privacy and free expression, and also to support direct citizen participation in internet governance. And the last one, this is an initiative by Framasoft of France and Facile, is le lancement d'une collectif international d'hébergeurs transparent, ouvert et solidaire. So a website where you can find a list of all open source internet providers, so non-corporate internet providers. If you want information how to get involved with any of those, the dates and the contact organizations will be on the website of the World Social Forum and the World Forum on Free Media. Thank you very much. Donc, on passerait à réforme monétaire, monetary reform. Est-ce qu'il y a une personne ici qui représente cette assemblée de convergence? L'argent chuchote. L'argent chuchote. Money whispers. I speak on purpose very softly. Je parle très doucement parce que l'argent chuchote. L'argent chuchote. L'argent chuchote. L'argent chuchote. Je parle un peu plus fort comme ça en montant au fond. Ce que nous voulons, c'est une réforme monétaire. Une réforme monétaire. Parce que actuellement, tout l'argent qui circule dans le monde est de l'argent à dette et à intérêt composé. Et nous, en Suisse, nous avons le droit de politique directe, de démocratie directe. Nous avons le droit de faire des initiatives et nous avons lancé trois initiatives. Une monnaie pleine, dont monsieur va parler. Une concernant la Banque centrale, Banque nationale suisse, dont mademoiselle va parler. Et moi-même qui vais vous parler du revenu de base inconditionnel. Nous venons de le voter en Suisse et nous avons la chance de pouvoir vous dire que si chaque Suisse qui a voté oui convainc un autre Suisse de voter oui, notre initiative de revenu de base va passer. Elle passera bientôt une deuxième votation qui s'appelle l'initiative Monnaie pleine et l'action Banque nationale suisse. Je passe la parole à Chloé pour la Banque nationale suisse. Merci François. Donc on vient de Suisse, on vient de Genève. Enfin, disons, nous deux, on vient de Genève.
François, je ne me souviens plus. De Lausanne. De Lausanne, à l'origine. Donc, on fait partie, entre autres, de l'Assemblée des actionnaires actifs positifs, AAA+, de la Banque nationale suisse, qui est notre banque centrale en Suisse. On est 40 actuellement. Et on a donc acheté une action chacun de la Banque nationale suisse afin de proposer, de présenter, disons, des motions, des propositions sur lesquelles les actionnaires étaient amenés à se prononcer. Sur les 10 motions qu'on a proposées, 9 ont été censurées. Et j'ai envie de vous dire un petit peu ce qui se passe là-bas à la Banque nationale suisse afin que vous preniez... vous soyez non seulement informés, mais qu'ensuite vous ayez peut-être l'envie de faire le même genre d'action que nous dans vos propres banques centrales. Il faut savoir par exemple que la Banque nationale suisse investit dans les OGM, dans le nucléaire, dans les armes à sous-munitions, dans les gaz de schiste, dans les pétroles de schiste, alors que dans sa charte, il est spécifiquement écrit qu'elle doit suivre une ligne écologique. C'est l'une des nombreuses irrégularités à laquelle la Banque nationale suisse se prête. Il faut savoir aussi que les investissements de la BNS, la Banque nationale suisse, sont exclusivement faits par BlackRock. Vous connaissez peut-être le monstre d'investissement financier américain qui gère à peu près toute la planète. La révision des comptes de la Banque nationale suisse se fait par KPMG, toujours le même genre d'institution multinationale américaine. Et que la Banque nationale suisse n'investit naturellement aucun argent en Suisse. Voilà. Donc je voulais juste vous dire, histoire que vous connaissiez un peu ce qui se passe. Donc notre groupe a l'intention, a l'ambition de transformer la Banque nationale suisse en une coopérative dont tous les citoyens suisses puissent être actionnaires. Disons, ça serait plus actionnaire, disons, mais on pourrait décider ensemble des investissements de la banque et mettre la Banque nationale suisse face à ses contradictions et à ses actes hors la loi concernant ses investissements. Donc on aimerait qu'elle devienne une coopérative au service du bien commun. Et je vous invite à faire pareil dans vos propres banques centrales. Merci. Bien. Alors je vous parle très brièvement de l'initiative Monnaie Pleine. C'est une initiative, comme vous savez, en Suisse, il suffit d'avoir un certain nombre de citoyens qui signent pour que l'initiative soit votée sur l'ensemble des citoyens. L'initiative, le 1er décembre 2015, a réuni 110 000 signatures. Et donc, la votation aura lieu dans les 2 ans, peut-être même avant. Quelle est cette initiative? Eh bien, elle demande l'émission de la monnaie par la Banque centrale, par la Banque nationale suisse, donc la fameuse dont on parlait. Et en fait, pas seulement les billets, pas seulement la monnaie, mais aussi la monnaie scripturale, de façon à ce que les banques commerciales ne soient pas ceux qui prêtent, mais bien la Confédération, c'est-à-dire la Banque nationale suisse. Elle aurait en plus un certain nombre de tâches de type surveillance bancaire. Et je vais vous lire juste un tout petit bout de l'article de loi. Dans le cadre du mandat légal, elle met en circulation sans dette l'argent nouvellement émis en l'attribuant directement aux citoyens ou par le biais de la Confédération ou des cantons. Je pense que ça, c'est aussi des initiatives qu'il faut mettre en place partout. Voilà. Ça, c'est les trois Suisses. Hop Suisse! Hop Suisse! Hop Suisse! Hop Suisse! Allez, hop Suisse! Hop Suisse! Hop Suisse! C'est pas Merci beaucoup, thank you very much. Un rappel, s'il vous plaît, gardez le silence pendant que les gens parlent. Please keep silent while you people are talking. It is hard to speak when there is a noise in the room. C'est difficile de parler quand il y a du son ambiant dans la tente. On est à la recherche d'une nouvelle traductrice qui peut comprendre le français, l'anglais, l'espagnol et pour le parler en français. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça? Donc, interpréter vers le français. Pour les... Est-ce qu'une personne est volontaire pour traduire, chuchoter vers le français? Donc, s'il y en a qui ont besoin de traduction, donc qui ne comprennent pas l'anglais ou l'espagnol et qui veulent la traduction chuchoter, notre ami ici avec Jaina. Je crois que vous êtes un groupe déjà là-bas. Parfait. Donc, je peux aller. Merci.
Cool. Donc, on va vous laisser, je vais passer à la prochaine. Il en reste 9 que j'ai compté sur 22 assemblées de convergence. Donc, il en reste 2. There's 9 left of presentations from the assemblies, Convergence Assembly. I hope that you are inspired by all of these speeches. J'espère que vous êtes inspirés par toutes ces discours et que ça vous donne envie de vous engager concrètement dans des actions et des initiatives et des campagnes. And gives you the kick to commit yourself concretely into actions, initiatives and campaigns. So I will leave you to agroecology et alimentation biologique, so agroecology and organic food. Juste pour commencer, juste brièvement vous mentionner que ce qui va être dit ici est le reflet de ce qui a été discuté dans deux assemblées et dans les diverses activités sur l'environnement, l'agroécologie qui ont été tenues dans les derniers jours. Entre autres avec la participation de la Via Campesina, un des grands mouvements qui représente des millions de paysans à travers le monde. Néanmoins, pour être tout à fait transparent, il y a eu un manque dans le processus. On ne peut pas dire qu'on a eu une atteinte d'un consensus sur une ligne d'action. Alors, juste noter ça, puis on veut noter qu'il y a eu un manque de voix représentées du Sud et des groupes autochtones. Alors, juste garder ça. On a essayé d'être le plus inclusif possible, mais gardez ça en tête lorsque vous écoutez ceci. Bonjour, mon nom est Jean-Bernard et je vais vous présenter une liste de propositions. Donc, acheter des produits des circuits courts à la place du libre-échange. Achète d'un fermier proche de chez toi. Et pour cela, il faut changer les infrastructures et la réglementation et aussi profiter d'aller plus souvent à la ferme. Ensuite, proposition pour briser le monopole syndical. Nous transmettons la proposition de Via Campesina au Forum social mondial pour que c'est un problème au Québec pour que les producteurs agricoles puissent choisir avec quelle association va les représenter, ce qui n'est pas possible aujourd'hui au Québec. Pour cela, on a une campagne de cartes postales qui est disponible au centre du champ vers les moutons. Proposition pour l'agriculture urbaine, plus de jardins en ville, plus de production en ville et aussi dans les écoles. Promotion de l'agriculture à petite échelle, revalorisation du mot paysan, valorisation des productions de semences paysannes, production adaptée et appropriée culturellement et écologiquement, avec une meilleure empreinte écologique. On va utiliser moins de pétrole pour que le monde soit en meilleure santé et on va utiliser plus de savoirs ancestraux. On veut aussi une solidarité avec les Premières Nations les plus touchées par l'activité extractiviste et les changements environnementaux. Donc, on va faire le suite en anglais parce qu'on n'a pas le temps à faire les deux, tout le reste dans les deux. We'd like also to promote practices of agroforestry and agroecology and broaden the definition of what we consider to be agriculture and food system and food production and what is brought into that system. So, also bringing in ideas of traditional knowledge, hunting, gathering, grazing sorts of activities into what we consider to be farming-led activities, and increase accessibility to agricultural land, trying to bring attention to the agricultural succession and transfer of knowledge between farmers. So there's a number of programs that already exist that encourage education farmer to farmer. And we really want to start propagating this model all over the world a lot more. And creating a project like pamphlets with recommendations to agricultural ministers all over the world
signed by different food security and food sovereignty organizations that would focus on most of the things we just listed above. Okay, and then the number of activities that are coming up, October 16th. October 16th is World Food Day, and also an American National Day of Action Against Land Grabs. Then on October 14th through 17th, we have the International Tribunal on Monsanto in The Hague, in the Netherlands. And April 14th is the yearly International Day of Peasant Struggle, organized by Olivia Campesina. So that's something to keep your eyes open for and pay attention to support us in our struggle in solidarity. Thank you very much. Globalissimo la lucha, globalissimo la esperanza! Merci, thank you, gracias, c'est clair. Bon, où est-ce que nous en sommes dans cette liste? Donc, là nous avons vu ça, la formulaire aussi. Alors, on est à... Oui, aussi, s'il vous plaît, nos amis ici, agroécologie, passez au kiosque. Pour donner vos contacts et l'information, s'il vous plaît. Alors, it is important to go here after, because what we want to do is collide all of them, to assemble all of these beautiful initiatives, actions, campaigns, to create our shared calendar of actions that have been emanated from the World Social Forum. Donc c'est important de passer au kiosque ici des initiatives pour qu'on puisse construire et colliger toutes ces belles actions et initiatives pour construire le magnifique calendrier d'actions partagées que nous allons mettre en application après le programme social mondial ou dès ce soir. Si vous n'êtes pas dans une assemblée de convergence, vous pouvez aussi passer au kiosque pour soumettre des initiatives, des actions, des campagnes ou toute autre information. If you're not in a convergence assembly, you can even go there as a participant and submit an initiative action that will be included in this shared calendar. On continue avec lutte et vision des peuples autochtones. Struggle and vision of indigenous people. Donc je crois qu'ils sont en assemblée à l'extérieur, dans l'autre temps. D'accord. Donc, howdy, sailor. Yar. Yar. Donc, il est cette assemblée a lieu en ce moment même. Il continue, donc on va voir s'il voudrait venir parler. Mais en attendant, on va faire passer à un autre groupe qui est revenu de base. So, basic income. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, avant tout, je souhaite féliciter tout le monde pour leurs belles initiatives, pour leur participation. Ce que vous faites ici, c'est extrêmement important et ça va faire avancer le dialogue sur de nombreux sujets. Je vais faire mes interventions en anglais juste pour que le maximum de personnes puissent comprendre. For basic income, revenu de base. So, just to summarize what basic income is, first and foremost, it's universal, it's unconditional, it's individual. So it's a direct cash transfer to every single one of you, your children, and everybody you know. So it's universal, unconditioned, individual, and it should be of a sufficient amount to offer people the ability to live in dignity. It's a foundation under people's feet so they can invest in initiatives, projects, qui tiennent à cœur. And it's all about making a structural change to society. Until we make a structural change to society, so many of our initiatives will have difficulty being successful. So, the actions we'll be taking the next year. First is, perhaps the most important, la Semaine Internationale du Revenu de Base.
or the International Basic Income Week. Ça va avoir lieu entre le 19 septembre et le 24 septembre 2016 et ça se répète à chaque année. Donc en 2017, il y aura une autre semaine et en 2018, etc. jusqu'à temps qu'on ait un revenu base. So the most important event this year will certainly be the Basic Income Week between September 19th and 24th. There will be events around the world, probably where you live, and it's an opportunity for you to bring yourself and your organization to discuss basic income and how it could have a meaningful impact on your communities and in your organizations. So that's Basic Income Week, la semaine internationale du revenu de base, entre le 19 et le 24 septembre, dans une ville proche de chez vous. D'autres événements qui vont arriver cette année, on vous invite à participer et à consulter les sites web des différents organismes. Alors, il y a un organisme à l'international qui s'appelle BIEN, c'est Basic Income Earth Network, BIEN. Ça, c'est à l'international et ensuite, en général, chaque pays a une organisation. En France, il y a le Mouvement français pour le revenu de base. Au Québec, il y a Revenu de base Québec. Mais si vous allez sur Internet, vous allez trouver ces organismes. Alors, d'autres actions. Au mois de septembre, il y a le projet de Recivitas au Brésil qui va travailler à créer une coalition mondiale des projets pilotes de revenu base. Il y a des projets pilotes qui se déroulent en Finlande, en Ontario, en Namibie, en Inde. Alors, Recivitas qui va travailler sur un projet pilote à partir du mois de septembre au Brésil. Le 13 août, donc aujourd'hui, il y a la mise en ligne du film Témoignage, une histoire à raconter, réalisé dans le cadre du Créathon pour le revenu de base qui a eu lieu lors, pendant ce forum social mondial. Vous pouvez trouver ça sur Internet, ce film. Le 27 septembre, si vous êtes au Québec, il y a le Forum des idées pour le Québec qui est organisé par le Parti libéral du Québec et ils vont avoir une grande conférence sur le revenu de base ou le revenu minimum garanti. Alors ça, c'est le 24 septembre, ici à Montréal, et vous êtes invité à participer ou à communiquer cet événement à vos groupes au Québec. Le BIEN, donc l'organisme qui fait le travail à l'international, va lancer une nouvelle plateforme de dialogue sur le revenu de base. So BIEN, in English, is an international organization for basic income around the world. They're launching a great new platform in September that will have articles in multiple languages on basic income, tools and other information to help you make basic income a reality in your communities. En France, du 22 au 23 octobre 2016, il y a la rencontre trimestrielle de Revenu de base France avec le Convergence avec le mouvement suisse à Lyon. Le 19 novembre, il y a la 80e rencontre des monnaies libres à Toulouse qui fait le lien avec le Money Libre et le Revenu de base. Et au mois de June 2017, there will be the North American Basic Income Conference in New York City. Always a fun place to visit, so if you're interested in basic income, come down to New York in June of next year. And for the next forum, l'idée, c'est de développer une plateforme d'un revenu de base pour les réfugiés, pour aider les réfugiés à se réintégrer dans la société, d'offrir un revenu de base, et de mobiliser les organisations de tous les secteurs et de la société civile pour faire du revenu de base un enjeu majeur dans le cadre du prochain FSM. So for the next World Social Forum, we want to make sure that basic income is at the top of the agenda, how it can have an impact in your communities, your organizations, and make a real structural power change to society and free us to accomplish all the amazing initiatives that all of you presented this weekend. Thank you. Parfait, merci, thank you. We have a little word from our anti-oppression volunteers. Bonjour, hi. Je vais commencer en français, il va avoir une traduction en anglais. Will be in French and English. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une brigade d'initiatives féministes anti-oppression pour toute la durée du FSL. Donc, on est des bénévoles pour faire de l'écoute active aux besoins et faire des interventions solidaires. Donc, à ce sujet, aujourd'hui, on voudrait juste simplement vous rappeler qu'on est tous et toutes des participants, participantes solidaires. Juste comme entre nous, on peut être solidaires et pas juste... oui, on est des bénévoles solidaires, mais on se suit aussi sur vous, sur votre comportement et juste se rappeler qu'on est des bénévoles
et qu'il faut comme rester respectueux entre nous, même si on est fatigué, même si il y a de la tension, juste un petit rappel de faire de l'introspection et puis un besoin de venir voir toutes les personnes qui ont ce dessert. Merci. Hi, we're the Anti-Oppression Volunteers. We're an initiative from the Feminism Committee from the World Social Forum. We just, if you are living in oppression, if you need to be listened to, if you need some support or you need us to do an intervention, come and see us. We have those lovely yellow, black, and white shirts. And also we want to remind you that, I mean, we are the forum, and we want to be in solidarity with everyone and just remind you that if you were tired, it's been a long week. And so just to remind you to be respectful towards each other and patient and act in solidarity if you see anyone in trouble. Thank you. Thank you. So, pour la prochaine, ça va être inégalité économique étudiant pour une transition écologique juste. So, economic inequalities, exclusion for a just ecological transition. On va juste attendre que mes collègues se pointent. Les inégalités prennent des proportions vertigineuses. Dans à peine 2 ans, la fortune des 1% les plus riches dépassera le patrimoine cumulé du reste du monde. Où est la justice quand une poignée de personnes ont plus d'argent qu'elles ne pourraient jamais dépenser au cours de leur vie, tandis que des millions d'autres ont à peine de quoi nourrir leur famille ou envoyer leurs enfants à l'école? Ensemble, on peut mettre fin à ces extrêmes inégalités. Le fossé entre les riches et les pauvres nuit à toutes et à tous et entrave la lutte contre la pauvreté. Mais ce n'est pas une fatalité. Des inégalités si extrêmes résultent de choix politiques et économiques et de règles faussées en faveur d'une minorité. Ensemble, on peut rééquilibrer les choses. Nous pouvons changer les règles pour assurer que les plus riches paient leur juste part d'impôts. Nous pouvons exiger plus de dépenses publiques pour la santé et l'éducation afin de donner une chance aux populations défavorisées. Nous pouvons réclamer une rémunération équitable pour toutes et pour tous. Nous pouvons veiller à ce que les plus vulnérables puissent se faire entendre, notamment les femmes et les jeunes. Les États doivent d'abord et avant tout servir leurs citoyennes et citoyens. Les intérêts des plus riches ne peuvent plus primer sur les intérêts de l'ensemble de la population et de l'humanité. Donc, à partir de ce contexte qui pourrait, ma foi, me paraître malheureux, les assemblées de convergence qui ont duré 2 jours ont favorisé, en fait, des initiatives et des solutions et ont construit ce plan d'action. Donc, dans le cadre de sa campagne qui porte sur la justice fiscale, mettons fin à l'ère des paradis fiscaux, Oxfam vous invite à signer la pétition, mais aussi à répondre à la consultation publique qui vous demandera au cours de la prochaine année, en 2016-2017, que feriez-vous, vous, avec 1 milliard de dollars? Avec vos réponses, un budget alternatif sera créé et sera déposé au gouvernement provincial en mars 2017, dans la même période où le gouvernement sortira son budget annuel et en même temps où les citoyennes et citoyens feront leurs impôts.
Un fait important à noter, le président de l'Équateur est le seul chef d'État à avoir signé la pétition « Mettre fin à l'ère des paradis fiscaux » et il s'est engagé à apporter le point des paradis fiscaux à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de l'ONU en septembre 2016. Bravo! Bravo. Et 1, 2 et 3 milliards paradis fiscaux au placard. Et 1, 2 et 3 milliards paradis fiscaux au placard. Oui. Hier, dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, Oxfam International a déposé un imposant et important rapport sur les inégalités dont les jeunes sont victimes à travers le monde. Parallèlement, des actions globales, internationales, régionales et même individuelles issues d'un manifeste créé dans le cadre du sommet Jeunes et inégalités d'Oxfam, ayant regroupé 150 jeunes de 25 pays, seront réalisées dans la période de 2016-2017. À l'hiver 2017 également, la table de concertation sur l'éducation à la citoyenneté mondiale opérationnalisera son plan d'action qui réunit différents acteurs de la société, dont des ONG, des ministères de Relations internationales des francophonies, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, des ONG, des délégués des établissements d'enseignement et même des acteurs du milieu de la solidarité et de la coopération internationale. Et cela afin d'ouvrir le dialogue et l'échange dans le but de créer une vision commune et d'instaurer les mêmes paradigmes d'éducation dans leurs secteurs respectifs. Et enfin, en octobre 2016, le comité Espace Jeunesse du Forum social mondial 2016, regroupant plus de 40 organisations jeunesse, se transformera en table de concertation jeunesse nationale et mondiale en créant son secrétariat. En terminant, deux autres initiatives. Premièrement, l'organisation Justicia for Migrant Workers Harvesting Freedom Campaign propose une campagne pour les travailleurs migrants agricoles avec une marche étant le 4 septembre du mois au Canada, ainsi qu'une pétition à mettre en ligne. Et finalement, l'Assemblée de convergence a proposé une campagne très large sur le travail décent, incluant un salaire décent, particulièrement le salaire à 15 $ en Amérique du Nord, ainsi qu'un salaire décent dans les autres pays du monde, organisé par plusieurs syndicats, groupes de travailleurs et organisations d'éducation populaire. Je vous remercie. Thank you. S'il vous plaît, je le regarde, Patrick, passez à la table. Ensuite, parfait. Ensuite, donc, on est rendu à l'avenir du FSM, The Future of the World Social Forum. L'avenir du FSM, The Future of the World Social Forum. No? Nobody? Ok, on passe. Donc, justice climatique et transition énergétique. Justice climatique et transition, je l'ai vu, ils sont, ah, il est là. Tino. So, climatic justice and energetic transition. Hi everyone. Basically, it's going to be 50% English and 50% in French in order to be fair with everyone. So, l'Assemblée de convergence ayant pour thème la justice climatique et transition énergétique, le plan d'action ne peut pas être définitif dû au fait qu'on a eu des problèmes de visa au courant de ce forum social mondial. Ceci dit, à la fin de cette présentation, je vais vous laisser mes coordonnées, sauf vous aurez le temps ainsi que mon courriel pour ceux et celles qui veulent encore proposer d'autres initiatives et plans d'action. Ceci dit, l'Assemblée de convergence ayant pour but un peu de savoir c'est
C'est quoi comme genre d'initiative? En voici quelques-unes. Nous demandons que le FSM ainsi que ses partenaires ainsi que participants encouragent et supportent toute action directe non violente, que ce soit au Québec, au Canada ou partout dans le monde. Par ensuite, un réseau étudiant en justice environnementale et sociale présentement au Québec sera monté et développé afin d'assurer une cohésion non seulement au niveau étudiant, mais aussi pour les différentes luttes environnementales au Québec avec une possibilité de l'expandre partout à travers le monde. Par la suite, nous demandons aussi que le FSM ainsi que ses partenaires et participants appuient tout peuple de Première Nation and also Indigenous people dans leur lutte contre toute lutte d'extractivisme incluant énergie entre autres. Par la suite, nous demandons aussi que chacun d'entre vous et de nous faisons tout en notre pouvoir afin d'arrêter tout gouvernement, que ce soit au Canada et Québec, ou aussi partout à travers le monde, de subventionner toute industrie ayant lien avec les combustibles fossiles. Par ensuite, nous demandons aussi que le FSM ainsi que ses partenaires participants appuient avec les 500 organismes non gouvernementaux déjà dans le monde qui organise le procès Monsanto du 14 au 16 octobre aux Pays-Bas. Alors, un moyen pour y participer, ce serait d'aller voir sur le site internet pour savoir c'est quoi Monsanto et d'aller signer la pétition à cet effet. So, my partner is going to continue with some notes. Thank you. My name's Ari. We were the Anglophone side of the climate justice breakout. We spoke a lot about the challenges for the climate justice movement globally and what will assist the different movements around the world to build momentum and connect to other movements so that the climate justice movement is more rooted in economic democracy and economic justice, which is what we feel a lot of people are starting to recognize further and further is at the root of our challenges to solve climate change, because it's change the system, not the climate. So the few actions that we developed were around intergenerational awareness and in all proposals and projects that there should be mandatory clauses for intergenerational impacts for seven generations ahead. That has been a tradition in some Indigenous traditions and communities. Around popular education and the importance that plays in increasing global solidarity between communities and countries where they've got the most finance to take action on climate change and the places where adaptation is being required here and now, because that actually increases the will and empathy and connection to the consequences of climate change within those developed countries. The biggest issue we discussed was around the new economy movement and how critical that is for the climate justice movement to connect the veins of Indigenous, racial, environmental, social and economic justice around economic democracy and how core that will be for the growth of the climate justice movement. And the World Social Forum represents that intersectionality, and as a result we should take an action to call upon organizations that operate within civil society around the world in which resources are entrenched within civil political movements to focus more on that intersectionality and focus more on building the new economy movement and rooting their work in economic justice and democracy. Because unless we do that, we're instrumentalist and it's a supermarket of ideas. Just so you guys would know, as of tonight, August 13th, since that this action plan is not complete because obviously we miss a lot of people, you'll have until September 15th to send to us all your initiatives and actions that you're willing to take in order to make climate change possible. So aussi, dernière des choses,
la COP22 approche, fait que j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous, que vous fassiez votre part. Et c'est la dernière chose que je vais vous dire. Si chacun d'entre vous ne fait pas votre part afin de changer votre planète, et aussi notre planète, mais ça ne marchera pas. On est comme une équipe de hockey ici. Fait que si une personne ne fait pas son travail, mais ça ne marchera pas. Sur ce, passez une belle soirée. Merci. Annonce pour dire qu'on arrive à 50 initiatives, c'est déjà bien. Et s'il y en a d'autres, elles sont bienvenues. Et rappelez-vous, là, nous, on prend l'initiative, on fait une feuille, et après, c'est vous qui devez l'inscrire dans le site web. Pour cela, vous rentrez avec votre nom et vous allez dans le menu participer, il y a marqué créer une initiative. Donc là, on prend des rendez-vous avec vous au sens où on attend que vous créez l'initiative dans le site. C'est bien clair. We have reached 50 initiatives. We expect you to put those initiatives in the website, in your name, in the name of the organization that support them. So, this, the paper here is like a memory from us to you, to come back to you and say, hey, please, put your initiative in the website. So you can start from tonight, next week. Don't be too late. It's not urgent that you can necessarily have to do it in the next 24 hours, but please do it. Clear? C'est clair? Merci, Pierre. Thank you, Pierre. So, on aurait l'avenir du FSM qui nous a trouvé, donc l'avenir du FSM. Donc on va essayer d'accélérer. Il en reste avenir du FSM, transition post-capitaliste qui sera la prochaine. Et ensuite il y en a une autre. Et après ça va être un peu de place aux initiatives individuelles. Merci. Good afternoon. Is there a future for the World Social Forum? This was the discussion that went on in the last 2-3 years. And the discussion advanced a lot in the last 3 days. We had four or five sessions with hundreds of people. And we had an assembly of convergence. We have three conclusions. Tentative conclusion. We're not here to vote, but we're going to propose these conclusions to the larger community and also to the International Council. First, we need the social forum. It's going to continue. It's going to be very difficult. We are not in the same era than when it started 16 years ago. Many popular movements, we are on the defensive. But we need even more a place to reflect, to discuss, to dialogue, and to look for solutions. And so, yes, the forum will continue. And I think this is a very large consensus. Second, we need a forum, but not the same forum. We need a reform forum. We need a rebooted forum. And in a way, in Montreal, we move towards that. And what is this rebooted or reform or restructured forum? It's a forum that takes much more time on strategies and on identifying actions. Not to decide on behalf of everyone, okay, think this, think that, say yes, no. This forum will never be the 6th International or the 7th International or the 24th International. No way. But the forum is there to incubate, to simulate, and to propose strategies and actions so that social movements, popular movements, do their work in advance. And so this is the suggestion to you. There's no savior, there's no someone here in the sky.
will come and resolve it. We will all resolve this together in the international forum, in our local forum, and everywhere. Third, finishing. The forum is not an event. The forum is a process. And the process has to be rooted locally. And this year, there were about 500 forums. Next year, we want 2,000 forums, or 1,200. It needs to be rooted. And the forum needs to support more, not as a substitute, but the forum needs to be more supportive of these initiatives. One of the ways is have a much more sophisticated information and communication platform, which in the last couple of years has declined. Now we will reboot the information platform, provide a lot of methodological guides and other useful information so that we have 1,000 forums rooted in the communities, in the cities, in the regions, in the nations, in the continents. And then we will have another 10 years. Thank you. Merci. Donc, sinon, juste pour revenir sur les luttes autochtones, il y avait une assemblée de convergence qui s'est tenue à Lucarne cette semaine. On a une participante de cette assemblée qui veut juste faire un rapport de qu'est-ce qui avait été fait dans cette assemblée-là. Donc, je vais laisser la parole à madame. So, there was a convergence assembly about indigenous struggles that was held at Lucarne this week during the World Social Forum. I will let them their time to tell you what happened in this assembly. Greetings, everyone. It's I just want to start by thanking the original people of this region, the Haudenosaunee people, the Mohawk people, for allowing us to be present here on their land and for coming here and sharing some information with us. There is a talk still going on in the back there, and I would encourage anyone who's here, who's interested in the struggles of Indigenous people, to join in there as soon as you can and hear what the brother and sister are saying. Earlier today we had an elder here who also spoke with us. In a nutshell, what we heard from the Indigenous people, from the Mohawk people who came here to speak with us today, that it's very important you know your own identity, that you meet identity to identity, and that you respect the Indigenous laws of the land, which are the Great Law of Peace here in this region. That's the treaty base. And the Turo Wampum is another form of the treaty base. So that's basically the instructions that we got today, the information that was imparted in a very small nutshell. But if you go to the back in the corner there, the next tent over, you can hear some more. And my sister here is going to tell you another impression that she got. Bonjour. Je sais, normalement, c'est pas à moi de faire de reporter ce qui s'est passé, plutôt au peuple autochtone, mais je vais faire de mon mieux. J'aimerais juste commencer par dire que le groupe de convergence a essayé de faire sortir quelques actions concrètes. Et ça a tourné beaucoup autour de l'éducation, faire connaître aux Québécois ce qui se passe dans les réserves, et aussi ça tournait autour de l'accès à l'eau potable. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant. Suite à une conversation avec le chef autochtone, nous avons compris que nous avons réalisé que le groupe ne contenait aucun autochtone et que nous ne pouvions pas, nous, de façon isolée, résoudre les problèmes des autochtones. Il fallait vraiment une collaboration. Donc nous avons réalisé que il fallait partir un petit peu des bases et pas sauter directement sur ces initiatives qui sont quand même bonnes. Donc nous voulons repartir de la base et apprendre à connaître les autochtones. Donc on voudrait
voudrait encourager des initiatives qui d'enfants, des initiatives qui se basent sur se connaître l'un l'autre, apprendre de l'autre, aller nous-mêmes, et pas attendre que les autres viennent chez nous, aller nous-mêmes dans les réserves autochtones et collaborer avec eux et converser avec eux pour ressortir des actions ensemble. Donc c'est l'action concrète que nous avons ressortie au final, c'est vraiment aller les rejoindre et discuter avec eux et apprendre à... Can you please be in silence while somebody is speaking, please? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de parler quand quelqu'un parle en avant pour le respect des personnes qui parlent? It is not easy to public speak, so it's harder when there's a sound like that. C'est pas évident de parler devant un public, donc s'il vous plaît, respectez les gens en avant. Merci. Donc pour finir, c'est ça, c'est l'action concrète, c'est vraiment le partage et aller dans les réserves en groupe et apprendre à les connaître. Voilà. I just want to leave you with one very important example of what we heard today, and it has to do with the notion of what is truth. And the example that the brother gave was how many continents are there in the world? And it speaks to colonialism, it speaks to education, it speaks to miseducation, and that is, you know, most of us learned there were 7 or perhaps 5, but if you stop and think about it, Europe and Asia are not separate continents, and there's a reason why they have been labeled as separate continents by European map makers. And if you look at the whole world and the way in which all of the information we're given about the world, you see the truth is hidden from us. And he spoke at length about truth. Thank you very much. Yar. Merci. Transition post-capitaliste. Post-capitalist transition. Thank you. Hello, my name is Kevin Flanagan. I'm here to present the convergence on post-capitalist transition. We had a really great turnout at the convergence, so I want to thank everybody who came along. We can say that there, you know, it's very clear from our experience that there are plenty of alternatives. So there are a few things that we came to some agreement on. They need to build transnational networks. The need for shared open communication tools based on free software, free and open software, the sharing of experiences and initiatives, building participatory political power through participatory democracy in local assemblies, economic democracy, supporting community currencies, supporting diverse and inclusive initiatives, working against consumerism by sharing our resources, transforming the political system, moving beyond extractivism. So we could agree in general about these principles. Then there were one or two concrete initiatives that we will be taking. So to agree on, we are going to be advocating for the adoption, creation and adoption of commons charters, inspired by the Bologna regulation for the care of urban commons and the Commune proposal for commons and collaborative economies. And we hope also to bring this to the Global Social Economy Forum. And one or two more things. There will also be a first international summer school on mapping. There are plenty of alternatives to map these alternatives. And this is the result of a convergence of mapping initiatives that came together during the forum. So finally, to finish up, I'd just like to make an open call. I'm very happy to be here. I've really enjoyed listening to all the presentations because there's a lot that we have in common and a lot to share and a lot to work on together. So I'm going to leave my email with our friends here, and I hope that we can work together in other words as possible. Okay. Thank you.
que militarisation. Bonjour, je suis Gérard Ali, co-secrétaire national du mouvement de la paix, la grande organisation pacifiste en France. Voilà, donc c'est suite une réaction de certaines organisations suite à la déclaration militarisation, paix et réfugiés. Alors voici cette déclaration. Le Forum social mondial n'est pas un espace pour servir les intérêts de certains États. En effet, nous ne nous reconnaissons pas dans la déclaration issue de l'Agora, militarisation, paix et réfugiés, élimination des armes nucléaires et au-delà. Nous sommes pour de vraies campagnes pour la démilitarisation, la baisse des budgets militaires et l'élimination du commerce des armes, pour la promotion d'une culture de la paix, d'une éducation à la paix. Pour cela, nous devons investir les outils des Nations Unies, notamment le 21 septembre, journée internationale de la paix, le 26 septembre, journée internationale pour l'élimination de l'arme nucléaire, et la semaine des Nations Unies pour le désarmement du 25 au 31 octobre chaque année. Nous voulons en faire, dans chaque pays, chaque année, des rendez-vous importants d'action pour peser sur nos gouvernements. Nous rappelons qu'il y a encore des peuples en lutte pour leur libération, notamment l'autodétermination du peuple sahraoui, avec le référendum porté par les Nations Unies depuis 20 ans, que nous soutenons. Nous devons peser pour la tenue de la conférence pour un Moyen-Orient sans armes de destruction massive, décidée depuis 1995, et dont la conférence de suivi du traité de non-prolifération nucléaire de 2010 à New York avait pris la décision de tenir en 2012 à Helsinki. Nous appelons l'ensemble des organisations à être signataires de cette déclaration. Juste un petit truc, puisqu'on parle des actions. Le 24 septembre en France, le mouvement de la paix avec d'autres organisations, dont je crois la CGT, bien d'autres organisations, nous appelons à faire des marches pour la paix. Le samedi 24 septembre, il y a déjà 11 villes en France où il y aura des marches pour la paix. Merci beaucoup, Pierre. Pierre, Jean. Alors, merci. On vient de finir, oui. Non, si vous voulez l'initiative, allez là, allez l'inscrire, on va continuer. Inscrivez-la comme une initiative. Vous l'avez déjà fait, vous ? Oui, mais il y a cette initiative, ce n'est pas dans le... C'est une réponse. Or, ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, comme rapporteur, on n'est pas possible. Quelqu'un qui est suivi ici, c'est pas... Non, alors on va continuer, d'accord, s'il vous plaît. C'est pas logique. Des organisations qui proposent une initiative, ils peuvent le faire. C'est pas... On a valorisé les assemblées de convergence. Non, on va continuer. Ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, il y a un petit débat, ça c'est la démocratie. Ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est les rapports des cercles de discussion entourant les différentes assemblées, les 22 que nous avons fait ce matin. On a aussi un processus qui a permis à des groupes, à des organisations, à des coalitions d'organismes qui n'ont pas porté leur initiative à travers le processus des assemblées de convergence, de pouvoir aussi les déposer et les présenter à l'Assemblée ici. On en a reçu Pierre, s'il te plaît. Ça, c'est pas possible. On... C'est pas possible, ça. On en a reçu combien? Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Hein. On respecte. On en est à 52. Et donc, alors, on va prendre 5 minutes juste pour démêler, parce qu'en plus, ce qui vient d'arriver, c'est qu'il y a eu les rapports des assemblées de convergence, the report of the Convergence Assemblies. Donc, techniquement, on s'est passé aux initiatives
qui n'était pas dans l'assemblée de convergence organisée pendant la semaine du Forum social mondial. So technically, we were at the we finished the reports of the Convergence Assemblies for Actions that happened during the World Social Forum, and then there was a discussion circle this morning around it. So everyone came, the 22 reporters came and presented you the action and initiatives that emerged from their work. All of the actions and initiatives, as Pierre told you, were registered here. So we count now for around 50 that were registered. They will all be available online. Donc toutes ces initiatives, ces actions, ces campagnes sont disponibles, vont être disponibles en ligne suivant le Forum social mondial et se sont allés s'enregistrer là. On va vous encourager, là vous avez écouté tout ça, ça fait beaucoup beaucoup d'informations, allez revoir ce calendrier partagé d'actions sur le site et commencer à concrètement vous engager dans une de ces actions, dans une de ces 22 thématiques qui ont été mentionnées, donc vous engager concrètement dans des actions. What we wish for as collectively is that you and us collectively, commit to one of these actions, these initiatives, these campaigns that were presented today, because this is how we're going to change things, is if we start doing concrete actions to change what's not working in this world. Now, la prochaine partie de cette plénière, the second part of this plenary, we don't have a lot of time, because I'm going to tell you there's a stage over there and they're going to start doing their sound checks. Il y a une scène de l'autre côté, ils vont commencer à faire leur test de son et on aura bientôt plus des conditions très agréables pour discuter. And in a couple of, maybe 20, around 20 minutes, we won't have enough good conditions here to listen to each other. So we're going to try to pass some initiatives. So we had some organizations or group or collectives or individuals that registered initiatives that are in this here, and we're gonna start giving also time for you guys to start presenting. Donc, on a eu aussi des initiatives individuelles, des groupes, des collectifs qui ont été présentés, et on va vous donner un peu de temps pour venir les présenter maintenant au micro. Alors, donc on va lister, on va les noms des personnes et les organismes.